Olá, bem-vindos e bem-vindas. Vamos fazer aqui mais uma conversa com um dos diretores da mostra Outros Olhares, no Olhar de Cinema 2020, essa edição online, em que a gente está podendo conversar com os realizadores dos filmes das mostras aqui. Eu sou Eduardo Valente, eu sou um dos programadores do festival, e agora a gente vai conversar com Joela Cafu, que é realizador do filme Traversê, Após a Travessia, que é um filme que vem da Costa do Marfim e coproduzido pela França. E a gente vai conversar um pouco com o Joel sobre a trajetória dele e dos personagens do filme. Joel, bonjour et merci, merci beaucoup pour être là avec nous dans ce moment. Merci à vous. Je voudrais peut-être commencer avec une question sur le fait que vous avez déjà filmé ces personnages bourgeois dans un autre film qui s'appelle Vivre riche, que c'est ton premier long documentaire. Et je pense peut-être que c'est pour ça qu'on peut sentir dans les films une intimité si vraie entre ceux qui filment et ceux qui sont dans l'écran. Est-ce que ça a du sens? C'est comme ça? Oui, on peut dire ouais, que ça a du sens dans la mesure où j'avais déjà filmé le personnage et qu'on se connaissait déjà et autres. Mais il faut dire que déjà dans Vivre riche, on avait cette intimité vraie déjà. Et pour moi, cela s'installe dans moi, ma démarche de réalisateur. Dans ma démarche de réalisateur en tant que documentariste, j'adore filmer le plus souvent dans le style cinéma direct et on dirait en immersion, ouais, où pour moi la caméra n'existe pas et que les protagonistes devant la caméra vivent leur vie et que moi et ma caméra nous n'existons pas. Voilà. Parfait. Une question que ça me fait penser une autre chose partant de ça, c'est le fait qu'il y a un sentiment dans les films, dans les deux films, où on pense que peut-être Bourgeois, en tant que personne plus que personnage, peut être un peu un miroir pour vous d'une autre vie, peut-être, qui vous, en tant que jeune ivoirien, pouvez avoir le besoin peut-être même de vivre. Est-ce qu'il y a une façon de penser sur cette question de destin différent, mais peut-être de départ très, très pareil au début entre vous comme personne, comme des gens? Oui, bien sûr, bourgeois pour moi, c'est une autre, c'est un autre moi, en fait. C'est moi dans l'état de dépression où une société où nous vivons avec toutes ces richesses nous offre de moins en moins d'opportunités à une certaine jeunesse. Et pour moi, bourgeois, c'est moi sous un autre angle, c'est moi dans des difficultés, c'est moi qui a envie de vivre mieux sa vie, c'est moi qui ai envie de découvrir un autre monde sans contrainte, c'est moi qui ai envie de cette mondialisation qui ne va pas prendre forme seulement qui ne va pas prendre forme et tout son sens dans le mot, mais dans l'acte des mots. C'est-à-dire aujourd'hui, bourgeois a décidé de rejoindre l'Europe parce que ici, après le broutage qu'il a longtemps pratiqué en Côte d'Ivoire, il savait qu'il n'y a plus de solution, sinon la NAC ne donne plus. Les Occidentaux sont de plus en plus informés et il n'a plus envie de gagner cette vie, il n'a plus envie de vivre cette vie misérable, en fait, qui est cette vie de la NAC. Il décide de partir comme tout le monde, de changer d'air, de partir comme tout le monde, de voir un monde nouveau, de partir là où on promet. Ciel de terre, de partir là où les chaînes de médias nous présentent le paradis sur terre, de partir là où les matières premières de son pays sont exportées, de partir là où ceux qui l'ont colonisé, ceux qui sont, je dirais, les pères de sa colonie sont, de partir là où il a envie de vivre heureux.
Et pour moi, c'est, ça a été aussi un jour mon cas. C'était un jour peut-être le cas des milliers de migrants ivoiriens qui sont morts dans la Méditerranée, des milliers de migrants africains qui sont morts dans la Méditerranée, le millier de migrants syriens, libyens, tunisiens et autres qui sont morts dans la Méditerranée. C'est le cas où là où on veut vivre libre, c'est là où on a envie d'être vraiment humain, d'être considéré comme humain, malheureusement pour bourgeois. Ih, cara, acho que cortou. Confronté à. Oui, c'est ça. Ouais. Il est On confronté avait aux perdu le obstacles. son un moment. Ouais. Oui, je recevais un appel. Il est confronté aux obstacles des frontières. Ok. Voilà. Parfait. Et. Et. Ah, pardon, pardon. Ouais, c'est ça. Allons-y. Et je Non, je lis. voulais dire ça. J'ai lu quelque part que vous, justement sur ça, vous avez utilisé les mots suicide et suicidaire, en fait, pour ces mouvements que beaucoup de jeunes en Côte d'Ivoire ont l'envie, peut-être le besoin de faire. Et aussi une phrase qui m'a beaucoup remarqué, que vous disiez que pour ces jeunes-là, c'est mieux vaut mourir sur la mer que de mourir devant ma mère. C'est un peu ce sentiment-là, et je voudrais que vous parliez un peu plus peut-être sur ça, mais aussi sur la question que cet Eldorado, que peut-être pour eux l'imagination de l'Europe aide à créer, quand il est là, et peut-être c'est justement ça que traverser nous montre. Ça se montre beaucoup plus dur et beaucoup moins satisfaisant qu'avant, et qu'avant qu'ils ont fait la traversée, justement. Et en plus, une chose finale sur ça, j'ai lu aussi que vous avez eu vous-même des problèmes avec les autorités italiennes en tant que cinéaste au moment où vous faites les films. Ça peut un peu servir comme un exemple de quelque chose comme ça. Si vous pouvez parler un peu de tout ça, de ces sensations et aussi de cette réalité là-bas. Oui, cette phrase, mieux vaut mourir sur la mer que de mourir devant ma mère, je l'ai entendue quand j'étais à Bordeaux, je crois en novembre 2016 ou 2017, pendant que je faisais le montage de Vivre Riche, quand je demandais à Bourgeois de ne pas faire cette traversée car c'est un suicide. Passer sur la Méditerranée plus de 12 heures ou 24 heures, c'est un suicide. Il m'a dit, Joël, je préfère mourir sur la mer que de mourir devant ma mère. J'ai coulé des larmes, j'ai eu mal. J'ai cherché à comprendre jusqu'à où la jeunesse ivoirienne ou africaine est arrivée à ce délit pour moi, à ce moment suicidaire de leur vie. Et quand je rentre au pays, quand je fais un constat en tant que habitant de la Côte d'Ivoire, je constate que Bourgeois, qui après le décès de son père et face au chômage grandissant dans le pays, face aux difficultés qu'il rencontre et face aux larmes de sa mère, en tant qu'homme, garçon qui aime sa mère, il préfère tenter d'aller vers là où on promet ciel et terre, vers là où les droits humains sont respectés, vers là où il pense avoir du boulot, vers là où il pense avoir un peu d'argent, surtout quand il dit, dans le film, il dit. Je suis venu ici, un héros fait 650 francs. Un héros fait 650 francs et il évalue déjà l'argent parce que pour lui, gagner 20 euros ou 50 euros, il pourra partager avec sa famille. Et là, ça se comprend tout de suite parce qu'il n'a pas envie de rester là et voir sa mère pleurer. Il n'a pas envie de voir sa mère dans la souffrance. Il n'a pas envie, il a envie d'essayer quelque chose. Il a envie d'essayer quelque chose. Et. Cette envie-là se traduit aujourd'hui pour lui d'aller vers de nouveaux horizons. Et c'est comme ça qu'il préfère tenter cette nouvelle horizon, tenter l'Eldorado, même si, au péril de sa vie. Car pour lui, mieux vaut mourir là que de mourir devant sa mère en n'essayant rien pour l'aider de sortir de la misère. Et pour moi, ça a été tellement fort que c'est là qu'est partie l'envie de faire ce film.
que je continue de lui filmer. Arrivant en Italie, là, Bourgeois est face à son destin. Il constate que l'Eldorado est un mot, je dirais, c'est comme l'horizon. Ça n'existe pas, l'Eldorado. C'est un mot sans existence, en fait. C'est un mot où l'existence prend forme rien que dans notre conscience. C'est un mot où l'Eldorado peut être ici en Côte d'Ivoire, l'Eldorado peut être au Brésil, l'Eldorado peut être au Burkina, au Mali, au Sénégal, en Hongrie, au Portugal, partout l'Eldorado. Mais c'est un état de vie, c'est un état de droit, en fait, l'Eldorado. C'est un état où on a besoin d'être considéré comme humain. Et en Italie, j'ai vécu ce qu'il a vécu. Chassé du campo, on a dormi à la belle étoile à moins de 2 degrés dans les rues de Turin. J'ai vécu comme un migrant à la gare de Badonescia où j'ai été contrôlé par la police italienne et française parce que c'était étonnant de voir un Africain qui avait une caméra qui filmait des migrants. Et j'ai même entendu cette parole, c'est pour la première fois qu'on voit un Africain filmer et non être filmé. Parce que là, c'était inadmissible de voir un jeune Africain filmer cette situation déplorante. Et là, pour moi, c'était pour moi aussi une autre forme d'Eldorado parce que je vivais une nouvelle horizon. Je vivais de nouvelles réalités que je n'avais jamais su, que je n'allais jamais pu voir si j'étais resté dans mon pays. Et là, les jeunes Africains, les jeunes Ivoiriens sont de plus en plus tentés vers l'Eldorado parce qu'une fois pour traverser la Méditerranée, ils sont hors de nuit, ils sont hors du danger, ils ont l'espoir que les choses iront, même quand elles sont dures, parce qu'il y a moins d'espoir chez eux. Voilà. Justement, merci beaucoup pour ça. Et justement sur cette condition à vous d'être derrière la caméra et la réalité d'être un réalisateur de cinéma en Afrique, en Côte d'Ivoire spécifiquement, comment est-ce que ça a été possible pour vous de voir là peut-être un Eldorado personnel pour vous quand vous avez fait prendre cette décision d'aller étudier le cinéma au Burkina Faso et après d'être revenu au pays à la Côte d'Ivoire pour continuer en faisant ça. Comment est-ce que vous voyez cette décision et cette possibilité? En fait, il faut dire que après mes études au Burkina Faso, après mon master, j'avais décidé de faire une thèse en France à Lyon. À Lyon, à deux reprises, j'ai été retenu par l'école pour faire des masters de recherche, ensuite ma thèse. Et à deux reprises, j'ai pas pu aller parce que j'avais pas assez d'argent. Et c'est comme ça que je décide de faire ce que Gaston Caboret, un des grands cinéastes burkinabés africains, disait, je vais faire des films. C'est comme ça que tu feras tes thèses. Et c'est comme ça que tu parleras au monde et c'est comme ça que tu seras Joël Atafou. Et grâce au conseil de ce grand cinéaste, je commence à faire des films et que je parcours le monde entier aujourd'hui parce que je fais des films. Or, hier, je ne pouvais pas bouger parce que je n'avais pas d'argent. Et c'est comme ça pour moi aujourd'hui, quand je vois ces jeunes Africains aller vers l'Eldorado, je ne suis pas choqué. Je dis, OK, hier, j'étais tenté d'aller vers l'Eldorado pour continuer mes études, non pas pour aller vivre en Europe. Non, pas parce que je voyais c'était l'Eldorado, parce que ce que j'avais envie d'apprendre, de connaître, c'est ce qui se trouvait là-bas. Et aujourd'hui, comme je parle de la question de la mondialisation, c'est pareil pour Bourgeois qui pense que lui, aujourd'hui, sa vie, c'est en Europe, pas en Côte d'Ivoire. C'est un choix. C'est un choix. Pareil qu'un Français qui lui dit je viens en Côte d'Ivoire m'installer parce que j'ai envie de l'Afrique, j'ai envie, j'adore ce pays, il n'aura pas de problème. Mais pourquoi quand c'est de l'autre côté, il y a un problème? Pourquoi quand c'est un joueur à CAFO qui doit aller en France pour son film, il n'y a pas de problème parce qu'il dit des choses, parce qu'il voit des choses, parce qu'il sait faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il fait dire au monde? On dit que ce jeune bourgeois ne sait pas faire des choses, il ne sera pas utile à la France. Non, au fait, c'est question de mondialisation aujourd'hui, cette question se pose. Aujourd'hui, on a vu le cas du Covid qui n'a pas commencé en Côte d'Ivoire, mais on a eu toutes ces répercussions dans ce monde. Ça a commencé en Chine, à Wuhan, comme on le dit, c'est arrivé en France, arrivé aux États-Unis, partout dans le monde. On a été tous concernés, on vit tous cette tragédie humaine, on vit tout ce fléau, cette pandémie qui prend de l'ampleur. On a tous peur, on a tous mal, on s'en fout de la couleur de la personne ou de l'endroit où quelqu'un meurt, mais c'est des humains qui meurent, donc on est tous concernés. Et c'est pareil pour ce fléau de l'immigration, comme ça vient du sens, je dirais, du sens
autoriser ces Africains qui viennent. Ce n'est pas des humains qui meurent sur la Méditerranée, on s'en fout. Mais on oublie qu'hier, lors de la colonisation, c'était dans le sens contraire. Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique en avion, c'est en bateau qu'il est allé. Non, je dis non. Et c'est comme ça pour moi, l'Eldorado, ce n'est pas un lieu défini. C'est un lieu où l'on pense se sentir à l'aise, où son état humain, son état de conscience dit c'est là que je suis, à l'Eldorado. Mon demain, ça peut être à Rio de Janeiro, mon Eldorado, ça peut être partout dans le monde, en fonction de mon état de conscience. Mais qu'il n'y ait pas de barrière lorsqu'on dit qu'on parle de mondialisation. Il n'y a pas de barrière de personnes lorsqu'on choisit des Africains qui sont importants pour l'Europe, qui peuvent aller quand ils veulent, qui sont invités quand ils veulent, et d'autres qui sont rejetés quand ils veulent. Non. Comme bourgeois, je suis un jeune Africain qui pense que l'Eldorado, c'est ici, ailleurs et nulle part. Merci, merci, merci beaucoup pour ça, Joël. Et pour une dernière question, peut-être, justement, vous avez parlé un peu de la situation actuelle, particulièrement autour de la pandémie, de COVID et tout ça. Et je voudrais un peu vous demander comment ça se vivre maintenant en tant que cinéaste, mais en tant que personne, qu'une personne en Côte d'Ivoire. Mais peut-être aussi, si vous pouvez, nous donner des nouvelles des bourgeois aussi, en fait, dans ces moments, s'il est encore en Europe, s'il reste possible pour lui de continuer en cherchant cet Eldorado-là, qu'il va, comme vous avez très bien dit, qu'il va peut-être jamais trouver en tant que l'horizon. Mais comment qu'est-ce qui se passe pour le moment pour lui aussi? Si vous pouvez, c'est sûr. Ouais, la bourgeoisie, ouais. J'ai ces informations. J'ai eu à échanger avec lui hier. Ouais, il est présentement en France. Il est hébergé par un ami ivoirien, un frère, qui lui a tendu la main, donc il vit là. Il espère avoir les papiers afin d'avoir un boulot pour pouvoir réaliser son rêve, c'est-à-dire aider sa mère. Et je compte le suivre encore avec ma caméra pour faire la fin de la trilogie. Pour moi, je filme la bourgeoisie dans ses états. Donc, tout ça pour attirer la conscience de nos autorités, non seulement, mais pour attirer la conscience des jeunes Africains. Parce que on pense au travers de la télé, au travers des chaînes, le canal, des Y, et que l'autre côté, c'est meilleur. Et bourgeois, pour moi, est l'exemple palpable pour donner des leçons à la jeunesse en Afrique, partout dans le monde, pour dire non, nul n'est meilleur. Le seul endroit qui est meilleur, c'est là où on se sent à l'aise. Pour bourgeois, peut-être aujourd'hui, c'est plus la France n'est plus son Eldorado. Non, je ne crois plus. Il a juste envie de ne plus échouer, au fait, parce qu'il a réussi sa traversée. Il a tenté le suicide, Dieu merci, ça a marché. Et il n'a plus envie de revenir les mains vides, de peur, de faire honte à la famille. Si ce n'était pas ce cas, il serait revenu chez lui en Côte d'Ivoire, à Abidjan, parce qu'il a compris que l'Eldorado n'était pas là-bas. Que l'Eldorado s'est resté chez lui et de lutter pour avoir ses droits. Ouais, cette question de la honte, de ça que se passe là-bas, c'est toujours très, très dur, j'imagine. Et pour finir justement sur ça que vous disiez, est-ce que vous avez, parce que juste après, le film a eu sa première internationale mondiale à Berlin, au Forum, et après ça, c'est très vite que la COVID, que la pandémie a devenu la réalité, et je me demandais si vous avez eu l'opportunité, de quelque façon qu'il soit, de montrer les films à Côte d'Ivoire jusqu'à ce moment, ou si justement pour tout ça, ça n'a été pas possible jusque-là. Ouais, comme on dit, la COVID est arrivée, du coup, après Bénin, après, je suis rentré le 3 mars à Abidjan, avec la pandémie, on n'a pas pu continuer, je pourrais dire, la tournée du film dans les festivals où ça a été sélectionné à Vision du Réel, il y a plus de festivals. Et là, c'est la reprise, les choses commencent à aller de mieux en mieux avec la pandémie. Du coup, il y a une projection fin novembre à l'Institut français en Côte d'Ivoire où il y aura 3 ou 4 projections pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Wow. Donc, très bientôt, il y aura une projection en Côte d'Ivoire pour le film. Ouais, j'espère que le film, justement parce que c'est très clair que c'est une,
certains objectifs à vous de montrer le film, de faire aux gens à Côte d'Ivoire qu'ils peuvent voir cette façon de documenter cette réalité là-bas. J'espère bien que ça devienne possible tant que tu peux. Et merci, Joël. De mon côté, c'est tout. Si vous voulez dire quelque chose d'autre sur les films que je n'ai pas touché, peut-être, mais sinon, je vous remercie. Ouais, ça va, pour moi, ça va. Je pense qu'on a abordé tous les sens du film et ouais, ça va. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre temps merci et à vous. Pour ces moments-là. Merci, bye bye. Merci, ciao.